Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Crystal 6 étoiles. Dernier opening avant le Cyber Weekend. Et premier opening avec la présence de Bébé Yoda, la petite affiche que je me suis achetée. Donc c'est un display pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis très très content parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un et que je voulais commencer ma collection entre guillemets de display et en tout cas de décorer un peu mon appart parce que mine de rien et enfin vous voyez le mur blanc derrière bah c'est ça partout donc je vous avoue que j'étais plutôt enfin voilà j'attendais d'avoir un petit peu d'argent de côté de me dire voilà là tu peux te faire kiffer une fois par mois par ci par là et le but c'est ça c'est que je m'en achète un par mois à peu près pour décorer petit à petit et voilà faire que il y en ait 10 20 potentiellement à terme quoi. Donc voilà, ça peut être cool. Et donc le premier, c'est Bébé Yoda, donc de la série Mandalorian. Voilà. Dès que je l'ai vu sur le truc, je me suis dit... Je suis sorti de l'épisode de Mandalorian, je me suis dit, ah, faut que j'aille voir les displays de Mandalorian. Et je regardais, en plus, il y avait des codes promo, donc parfait. Moins 36%. Et derrière, je regarde les trucs, je me dis, ah, il me faut le Bébé Yoda. Et du coup, voilà. J'adore. En tout cas, on se retrouve pour une ouverture de Crystal 6 étoiles. C'est le dernier opening avant le Cyber Weekend qui, de toute façon, va me faire augmenter de ouf en termes de roster. En termes de roster, on est à combien là en termes de 6? On est à 66, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, 66. Donc on est à 66, donc de toute façon on montera au-dessus de 70, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va choper notre 67e? Je vous rappelle qu'on reste sur un tirage. On reste sur des tirages moyens, hein, globalement. Autant en 5 étoiles, on a énormément de chance. D'ailleurs, le prochain super opening que j'ai tourné juste avant, qui va sortir du coup dimanche soir. Demain soir, personnage sous-côté, de la GA également. N'hésitez pas également à aller voir ce soir une nouvelle vidéo d'annonce sur la nouvelle saison de QA. N'hésitez pas à aller voir ça, ça sort à 19h en même temps que cette vidéo. Et voilà, on reste sur des tirages moyens. On a eu du Kaïd, on a eu du Spider, Miles Morales. On a eu 2-3 trucs moyens. Voilà. On a eu 2-3 trucs moyens. On a eu Mojo qui était quand même pas trop mal. Mais voilà, globalement, on reste sur des tirages qui sont pas des trucs qu'on monte R2. Le dernier R2 que j'ai monté, enfin en tout cas le dernier truc ouais, que j'ai obtenu, que j'ai monté R2 en nouveau en tout cas, c'est Longshot. Luke Cage, je l'avais déjà depuis longtemps. Et bah, c'est vrai que Longshot, ça commence un petit peu... Ça fait un petit peu. Donc, je crois que c'était la dernière saison de GA, hein, quand même. Donc, ça fait un mois et demi. Hein. Depuis, on chope des bons trucs, mais qui sont pas trop, trop upables R2. Donc, si on pouvait choper un petit nouveau, ça pourrait être cool. Au moins, après, forcément, mieux... Enfin, plus c'est ouf, mieux c'est, bien évidemment. Mais voilà, si on pouvait choper soit un éveil intéressant, soit un nouveau et potentiellement de qualité... Ça pourrait être cool. Augmenter de compétences, Doom, Torche, Domino, Sentinelle, pourrait être cool également. Thor Ragnarok aussi, ça pourrait être cool. Éveiller Black Widow serait génial. Éveiller un de mes R2 quand il arrive, serait génial. Allez, c'est parti. Nouveau Crystal 6 étoiles. Et on va tomber sur... Oh non. Ah, oh, j'aurais préféré éveiller Psylocke, hein. Oh, c'est pas ouf, hein. Deuxième éveil d'affilée. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de nouveaux. On avait eu une grosse série de nouveaux. Depuis le 4 juillet, au final. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de... On n'a pas eu beaucoup de doubles. Mais là... Deux éveils pas ouf d'affilée, quoi. Deux éveils pas ouf d'affilée. Miles Morales, là, Ultron. Ah! C'est un peu décevant parce que voilà, j'aurais bien aimé augmenter un peu plus mon roster avant le Cyber Weekend. Alors si c'est autant que j'ai pas de chance sur les 6, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas de chance sur les 6, mais sur les 5, ça roule. Sur les 5, ça roule de ouf. Et globalement autour de ça, enfin là, j'ai pas mal d'unités dans les cristaux d'un cristal d'arène, j'ai pas mal. Mais c'est vrai que les 6 qui est le truc qui m'intéresse le plus, c'est vrai que j'ai pas voilà, mon dernier gros tirage, on va dire, voilà, c'est Longshot. Ah, il y a eu Booster aussi qui est pas mal, mais bon, disons qu'il est pas encore éveillé. Donc c'est pareil, c'est comme Mojo, c'est des persos qui vont nécessiter d'être éveillés, c'est des bons persos, mais voilà, ça mérite quand même l'éveil.
Donc voilà, donnez-moi votre avis en tout cas sur ce tirage. C'est vrai que j'aurais préféré éveiller Psylocke, hein, dans une optique d'avoir potentiellement Apocalypse 6R3, Profix 6R3 à terme. Et ça sera un petit peu le but, hein, je vais pas vous mentir. Si j'arrive à les choper dans les cristaux futurs de fin d'année et même dans les cristaux futurs après le 15 décembre. Du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé éveiller Psylocke pour enfin la monter 6R2. Enfin, parce que je peux pas la monter 5R5 étant donné qu'elle n'est toujours pas éveillée en 5. Mais du coup, voilà, en 6R2, en 6R2, ça l'aurait fait, malheureusement. C'est un éveil d'Ultron plutôt. Il y avait Night Thrasher en plus derrière, ça aurait fait kiffer, c'était un nouveau. Malgré que bah, je l'ai déjà sur le deuxième compte. Et que j'ai déjà monté d'ailleurs 5R4 et que c'est mon meilleur perso sur le troisième compte. Voilà, c'est un perso que j'aurais bien aimé obtenir une nouvelle fois. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Il y a une autre vidéo du coup ce soir, comme je vous ai dit, sur la saison 8 de QA. Demain, perso sous-côté numéro 5 et troisième vidéo depuis le retour. Demain, c'est une vidéo de perso sous-côté, mais de perso, pour le coup, c'est vraiment 5 persos. J'ai déjà choisi les persos. C'est vraiment 5 persos de qualité. Vraiment, c'est des persos vraiment qui sont soit dans le top 10 de leur classe, soit vraiment pas loin. Du coup, c'est vraiment des persos. Et pourtant, c'est des persos sous-cotés. Ils auront tous en rapport le fait d'être des persos voilà, qui sont sous-cotés. Alors, pas forcément par moi, mais au moins par la communauté globalement. Donc du coup, voilà, ça sera une belle petite vidéo. Je vais la préparer demain. Et il y aura également la GA. Dimanche, du coup, nouveau super opening. Lundi, il y aura quoi? Lundi, il y aura de la GA, quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas trop ce qui arrivera en plus, mais globalement, voilà. Ça... Il y aura des trucs lourds, vous inquiétez pas. Et du coup, de toute façon, vendredi prochain, voilà, on est à 7 jours maintenant. On est à 7 jours du Cyber Weekend 2020. Et donc, voilà, en attendant ces offres de dingue, eh bien, on va stocker les quelques petits éclats qu'on peut stocker. Et voilà, on va se faire kiffer ce qui fait vendredi. On va se faire kiffer vendredi prochain en live tous ensemble avec, je l'espère, voilà, du très lourd. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite. Salut!